Sauver la vie d'un homme vaut plus que de construire une pagode de 7 étages. Proverbe chinois. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur ou qu'ils ont fait leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel des personnes accrues et co-auteur du livre « Devenir enfin moi, en allant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves ». Bienvenue à cet épisode numéro 58 de la série FC Leadership Podcast. Merci d'être aussi nombreux à télécharger et à auditionner mes podcasts. Si vous êtes nouveau à m'écouter, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Le thème de cet épisode d'aujourd'hui est « Un leadership pour construire ». Aucune amélioration n'est possible sans changement. Je dis toujours que graines de maïs donnent toujours du maïs. Si jamais vous voulez des fraises, il faut arracher les maïs pour planter des fraises à la place. Sinon, vous pouvez apporter toutes les améliorations possibles à votre champ de maïs, il est impossible d'avoir d'autres résultats que des épis bien mûrs, prêts à réaliser des pop-corn. Notre nature humaine est pour résoudre les problèmes humains, pas pour les aggraver. Tout individu en lui a la capacité d'apporter une réponse à un problème existant ou à venir, que ce soit pour lui ou pour son environnement. Cependant, nous pouvons remarquer que la plupart des gens restent bloqués dans leur vie et tournent sans fin dans la roue du hamster et nous nous demandons pourquoi. Être dans sa zone de confort est bien arrangeant pour certains, ceux qui pour autant plongent l'humanité dans le chaos. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre organisation? Qu'est-ce qui fait que votre troupe a du mal à s'adhérer? Manager, c'est bien. Mais être leader est un atout de plus pour libérer le potentiel. Leadership pour construire. Pourquoi ce sujet? Rappelez-vous que le leadership, c'est de l'influence et que chacun a de l'influence. Notre influence est pour construire. Notre influence est pour transformer les choses et les vies. Il y a une grande différence entre celui qui délègue des tâches, qui produit des suiveurs qui exécutent, et celui qui délègue du pouvoir, qui produit des leaders, solutionneurs de problèmes. Vous êtes leader quelque part. C'est le cas de tous. Votre rôle, c'est d'aider les autres à se développer pour activer la croissance et trouver leur voie. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle et la croissance en même temps. Soit vous avez le contrôle et vous aurez des exécutants, soit vous avez la croissance et vous aurez des leaders qui pourront emmener votre vision à son plus haut sommet. Vous devez apprendre à raisonner autrement, car vous ne pouvez pas avoir l'adhésion si vous ne délivrez pas la confiance de votre équipe. La preuve du leadership, c'est de générer des solutionneurs de problèmes, capables de poursuivre une vision vers son plus haut sommet. Utiliser le leadership vous permet de construire une organisation forte. Utiliser le leadership vous permet d'avoir de l'autorité. L'autorité n'est pas d'être plus fort, voire plus fort que tous les autres, mais c'est d'être celui qui amène la confiance et une vraie directive qui donne du sens. Votre équipe pourra vous suivre le jour où vous comprenez que vous devez être un leader authentique qui pratique un leadership authentique. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer dans votre leadership afin de développer la confiance de vos collaborateurs et créer une adhésion à votre vision
et construire une culture d'entreprise saine. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Qu'est-ce qui fait votre leadership? Comment construisez-vous vos relations? Êtes-vous un solutionneur de problèmes? Sinon, que pouvez-vous faire pour le devenir? Comment gérez-vous vos relations avec vos collaborateurs? Le leadership, c'est une question d'instinct, de conscience, de passion pour le succès collectif et la réussite d'une vision définie par un et qui se réalise par un ensemble. Ce qui donne du sens à la vie, c'est l'envie d'aider les autres à trouver leur vision pour rentrer dans leur propre destinée. Votre organisation sera une source de croissance si votre leadership construit la base pour l'exercice et le développement de chaque membre de votre équipe en toute authenticité. C'est la fin de cet épisode numéro 58 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous êtes nombreux à m'écouter dans plus de 29 pays. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce show FC Leadership Podcast et Monday Motivation. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie pour atteindre un objectif et prendre de la hauteur dans votre épanouissement personnel ou professionnel? Faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contact@fcelestin.com ou visitez le site www.fcelestin.com ou tout simplement rendez-vous sur mon agenda en ligne. Réservez votre rendez-vous pour un entretien avec moi. L'action, c'est maintenant. C'était Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en arrivant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, ma joie est dans votre réussite. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye.